des micro-trottoirs pour l'émission. Vous interviewez les gens, vous leur posez des questions intelligentes. Voilà, on leur pose des questions sur la mode, sur l'hygiène et sur la propreté de la ville. C'est très intéressant. Oui. Et que leur demande... c'est tout ce que vous leur demandez, entre autres. Oui, on leur parle de l'Europe aussi. Et qu'est-ce qu'ils en pensent en général ? N'importe quoi, mais ce que nous on fait dans l'émission, on détourne les questions et les réponses, évidemment. Donc c'est les réponses puis les questions. Ça passe quand ? Ah, je ne sais pas, il faut voir. Pourquoi ? Il commence tout de suite. Ça c'est déjà fait. C'est déjà la base. Et vous comptez vous détendre pendant la soirée ? On va travailler encore un petit peu, on va interviewer les gens. Ouais, hein. Pendant toute la soirée. Ouais, ouais. Pas de vacances. Et vous regardez les SNUL ? Tout le temps. Tout le temps. Quand on... Ah, ça passe tous les jours. Non, quand on... Ouais, mais on a la cassette, ouais. Ça passe tous les jours. Mais au mois de septembre, c'est tous les samedis à 19h15, un quart d'heure, en clair. Dommage que ça pas plus long. Ah ouais, ouais. Seriez-vous dédicacé à l'autocollant ? Ouais. Le 1er septembre, ça commence. Le 14. Donc là, l'émission d'une heure et demie avant. Oui, je sais pas. Il y a une émission d'une heure et demie qu'on a fait, qui sera diffusée le premier week-end de septembre. Multidiffusée. Non, une fois en clair et puis plusieurs fois en côté. Sans lit de caméra. T'as un bic ? Et alors, c'est pour qui ? Et pour le jog. Pour J.O.G. Par mon ami. C'est toujours les mêmes. Le Jog. Je peux pas trop mon style.